This short documentary series on the humanities in Europe today, which starts from Europe but will expand to cover, I hope, the whole world, is the initiative of the European Network of Humanities Centers and Institutes. We decided collectively with our colleagues that it would be a good idea to present a series of portraits of leading figures in the humanities in our part of the world, and to use them as sources of inspirations, as role models, if you wish, for practitioners and students alike. The portraits of these very sort of charismatic, highly accomplished, distinguished professionals accomplishes another aim. It allows us to trace a genealogical sort of portrait of where the humanities have been, where they are at today, and where they could go, insofar as each person that we interview is asked to trace their own itinerary, past, present, and future. And simply by asking a question like, what was your faculty called when you studied as an undergraduate? And noticing the semantic, the institutional, the political transformations that the field has gone through. Just by doing that, I think the viewers should be in a position to measure the extent of the changes and the extent of the vitality of the field. The hope of this mini-series is indeed that we can collectively, as practitioners, but also as spectators, express our love for, our trust in, our respect for this amazing field of the humanities at a time in its history when it is coming under attack in the press, in the public debate, and in policymaking and financial decisions that are really penalizing this field. The humanities in the 21st century, as you will see in the different portraits of these great figures we're offering to you, are a vital, vibrant, critical, creative, extremely accountable field, proud of its history, confident of its place in the world, and very hopeful for the future. We really hope that you will enjoy watching these great figures, and maybe you will be yourself tempted to run out and interview somebody that you know in your own neighborhood, in your own circles, because the humanities are everywhere and for everybody. J'ai eu un parcours initialement très très classique, c'est-à-dire des études secondaires en France, et puis je suis entrée à l'école normale supérieure en section sciences. Ensuite, je suis devenue directement, c'était possible à l'époque, enseignante à l'université. Donc j'ai enseigné la physique jusqu'à ma retraite en 2001. Et voilà. Alors j'avais à ce moment-là le statut d'enseignant-chercheur, qui est un statut qui existe toujours d'ailleurs en France, où on a la possibilité soit d'être chercheur pur, auquel cas on entre au CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique, ou d'être enseignant-chercheur, comme on disait avec un trait d'union, c'est-à-dire d'enseigner, mais pas un nombre incommensurable d'heures. Je ne me souviens plus comment c'était au début, et puis ensuite il y en a de moins en moins au fur et à mesure qu'on vieillit et monte dans les échelons. Et en même temps faire de la recherche. Donc j'ai fait une thèse en physique, en théorie des rayons X. Après quoi, j'ai voulu changer de sujet de thèse, mais il s'est avéré que le sujet qu'on m'avait proposé, en fait, ne débouchait pas sur grand-chose. Et finalement, j'ai été bien contente quand 1981, c'est-à-dire le changement de gouvernement, l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir, le changement, l'installation des socialistes pour un bon moment au pouvoir, qu'on m'ait proposé de faire une traduction d'Einstein en français. Alors c'était sous l'égide du CNRS, dont j'ai déjà parlé, c'est-à-dire ce qui coordonne toute la recherche en France. Je devais diriger une équipe qui comprenait des philosophes, des scientifiques, des germanistes,
des historiens, c'était une quinzaine de personnes, et il y en avait 8 qui vraiment travaillaient, faisaient le travail, de tous les âges. Et il y avait 2 élèves de l'école normale qui n'avaient pas encore fini leurs études, mais qui présentaient cette particularité rare en France de parler allemand, parce qu'ils avaient eu une bonne éducation, et de pouvoir comprendre dont Einstein parlait, ce qui était mon cas aussi. Voilà, donc ça m'a pris à peu près 10 ans de ma vie. Après quoi, je ne suis pas retournée à la recherche pure en physique, mais j'ai continué à enseigner la physique. Je n'ai jamais enseigné que ça d'ailleurs. Et j'ai fait du coup de la recherche, si on peut appeler ça de la recherche, en histoire des sciences et philosophie des sciences. En fait, j'ai pris ma retraite en 2001, c'est-à-dire il y a 13 ans. Et je n'ai pas arrêté de travailler, mais j'ai continué à enseigner parce que je n'étais pas sûre de pouvoir psychologiquement résister à l'absence d'étudiants. Bon, au bout de 2 ans, j'étais un peu fatiguée. Et puis je devais m'occuper de mes petits-enfants. Enfin bref, j'ai arrêté et je n'ai conservé que mon activité littéraire, si on peut dire, en particulier dans la revue Critique, qui est une revue qui fait partie du patrimoine des revues françaises fondées par Bataille, etc. Qui est une revue de critique, comme son nom l'indique, mais totalement littéraire. Donc, en somme, j'ai vraiment versé du côté littéraire. Mais depuis quelque temps, je me reprends d'un goût pour les mathématiques que j'avais abandonné en deuxième année d'école normale, parce que mon intention en y entrant était de faire des études à la fois de physique et de mathématiques. J'ai commencé, mais au bout d'un an, j'ai eu une tuberculose, donc il a fallu que je me repose, en tout cas que je mette une pédale à mes ambitions. Donc j'avais abandonné les mathématiques, et c'est avec beaucoup de bonheur que, via l'histoire des sciences, et en traduisant des textes allemands, en l'occurrence un texte de Riemann, je me remets aux mathématiques. Je suis à la retraite depuis 13 ans, c'est-à-dire que ça veut dire que je suis pensionnée de l'État français pour les bons services rendus auparavant. Et dans ces services, ils ont consisté essentiellement à enseigner la physique. Au début, j'étais enseignant-chercheur, comme je vous disais, c'est-à-dire que les critères d'évaluation étaient en principe recherche et enseignement, et même on a ajouté un peu plus tard la vulgarisation, la divulgation de la science. Mais de fait, le principal critère, c'était celui de la recherche. Après, j'ai été nommée professeure très jeune, donc je n'avais plus rien à demander à qui que ce soit. Et les choses ont évolué toutes seules sans que j'aie à m'en préoccuper. Donc, j'ai été une fonctionnaire en somme, ce qui me permettait de faire beaucoup de choses. Si vous voulez parler institutionnellement, je ne suis nulle part, c'est-à-dire que éventuellement on peut considérer, je dis ça parce que c'est un rapport avec Rosie Braidotti, que je suis dans un institut qui est en voie de formation, qui existe, mais enfin qui a encore à faire ses preuves, qui a été créé il y a 2 ans par quelqu'un qui s'appelle Fethi Benslama, et c'est un institut des humanités de Paris, humanités et sciences de Paris, après ça a été complété le nom, qui se veut sur le modèle du Center for Humanities d'ici, et dont Rosie est présidente du conseil scientifique, et moi je suis présidente du conseil d'administration. Mais ça c'est une position totalement administrative. Par ailleurs, je travaille comme je veux, où je veux, quand je veux.
Mais enfin, ça n'a pas vraiment été toujours le cas. Pendant longtemps, je relevais de l'éducation nationale, point. Je crois que ma méthode préférée, elle est très peu à la mode et à contre-courant de ce qu'il faudrait faire maintenant, c'est-à-dire aller vers le large, l'ouverture, etc. Moi, ce que j'aime, c'est être toute seule, réfléchir dans le calme, le silence, même pas de musique. Alors, par exemple, le soir en m'endormant, c'est très bien. D'ailleurs, ça m'endort assez vite. Ou bien alors en conduisant. Là, il y a le risque que ça m'endorme quand même trop vite. Mais oui, les discussions me sont utiles, mais je ne les recherche pas. Ce que j'aime, moi, c'est ne penser qu'à une seule chose et la tourner dans tous les sens. Alors, c'est quand même, ça suppose une existence assez spéciale. Ce n'était pas possible tant que j'enseignais, tant que j'ai eu une fille. Je me suis pas mal occupée de ses enfants. Donc, à vrai dire, je ne peux pratiquer cette méthode qui a toujours eu ma préférence que depuis 6 ou 7 ans. Si je parle d'un point de vue personnel, professionnel, c'est-à-dire dans mon domaine, pour moi, mais c'est très subjectif, c'est précisément le rôle du sujet dans la science qu'on dit généralement dur. Bon. Je suis sûre que il y a quelque chose à trouver là, et le sujet, il est là. C'est pas exactement le sujet de la science, comme dit par exemple Lacan, parce que la science pour lui c'est quelque chose de bien particulier. Donc je voudrais travailler dans cette direction. Bon, ça me semble important pour le développement correct, du moins que je juge correct, des sciences, parce que elles foncent à toute vitesse dans une technicité, une efficacité qui, à mon sens, ne lui va pas bien au teint. C'est-à-dire que c'est pas ça la science. La science est quand même une réflexion. Et je ne pense pas que en multipliant les simulations, les expériences pour voir juste aussi, on arrive à quelque chose. Donc c'est plutôt du côté de la philosophie que je voudrais la science, la recherche scientifique et les études scientifiques se reprennent. Alors, si maintenant je me parle en tant que citoyenne, il est sûr que, et aussi en tant que scientifique, il est sûr que tout ce qui a un rapport au climat me semble fondamental. On aura, même si apparemment on ne pourra pas inverser la tendance. Oui, tout ce qui a trait à la démocratie aussi, mais alors là je parle, c'est trop vague pour moi, je n'ai aucune incidence sur ce qui se passe dans ce domaine. Je souhaite que des gens mieux formés que moi s'en occupent, mais pour moi c'est pas un objet de recherche, c'est un souhait.